Ouais. Je suis attachée à la mélange, aux musiciens, mais je ne sais pas, est-ce que c'est parce que mes enfants sont musiciens? I don't know. But moi-même, en fait, quand j'étais jeune fille, avant que le Seigneur m'appelle, je voulais être batteur. Wow. Donc je voulais être batteur, et dans la région, il y avait, j'étais à l'école de musique, à l'école renommée, hein, et j'ai demandé pour faire la batterie, et puis il n'y avait pas de place pour la batterie. Alors j'ai fait de la musique même tard. Et alors, mais il y avait de la guitare classique, donc ça. Et alors, comme à cause de mon accident, j'ai fait un accident quand j'étais jeune, que j'allais d'ailleurs voir ma mère spirituelle, et j'ai fait l'accident sur le chemin. On ne peut pas des fois. D'accord. So, comme j'avais fait l'accident et que la voiture avait fait comme ça, et alors ça avait broyé mes os, même que vous les voyez, mes doigts, c'est un miracle de Dieu. Et alors avec ça, c'est compliqué pour la guitare, parce que pour faire les cordes. Hein. Et donc voilà, anyway, donc moi je suis vraiment, quand je suis quelque part et que des musiciens, surtout si c'est des musiciens sérieux, soyez sérieux avec Dieu. Écoutez-moi bien, je ne sais pas, donc lui, je sais qu'il est étudiant, right? Étudiant, c'est ça, et je pense que lui aussi. Vous êtes aussi étudiant? Vous êtes étudiant, et alors vous faites ceci comme job? C'est comme job? Hein? Ok, donc comme ça vous êtes payé un peu plus. Eh bien, alors moi je vais vous exhorter à être sérieux. Dans ce ministère de louange, lui il fait la photographie, c'est ça? Eh bien, pareil. Vous ne savez pas où Dieu peut vous amener au travers du don qu'il vous a donné. C'est-à-dire, mais seulement le problème est que nous, on n'est pas sérieux. Surtout les musiciens, c'est des miracles. Les musiciens, mais non, dans le monde entier, c'est du n'importe quoi. Eh bien, moi, je veux vous dire, ici, vous voyez, tout est fini, Dieu permet que je... Eh bien, je veux vous dire, quel est votre ministère, votre appel? C'est ça votre appel. Vous devez comprendre qu'il y a l'appel, c'est là le don. Et vous ne savez pas juste ce que ça peut vous amener. Mais si vous avez sur votre cœur, vous êtes devenu sérieux avec Dieu. Et vraiment, Dieu est votre priorité. Et que vous vous donnez une fête quand vous venez faire. Quand vous allez faire une prestation quelque part, vous priez avant d'aller faire la prestation. Vous demandez que Dieu vous utilise, que ça puisse être pour sa gloire. Et bien, et quand vous faites, et pendant qu'on fait la louange, vous faites la prestation, vous êtes connecté avec Dieu, c'est pour Dieu. Vous oubliez qu'on va prier, hein? C'est bien qu'on vous paye. C'est très bien qu'on puisse vous payer. Mais si vous mettez d'abord votre cœur, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous n'imaginez même pas ce que Dieu peut faire comme ouverture pour vous dans votre vie. Et en même temps, vous demandez que l'onction, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, que ce soit comme quand tu prends les photos ou vous quand vous faites de la musique, vous demandez la présence du Saint-Esprit. Cela revient à dire, vous devez avoir une relation profonde. Tu sais pourquoi vous devez avoir une relation profonde? Premièrement, les diables, c'est le ministère le plus attaqué. La louange, la musique, etc. Et bien donc, vous avez l'obligation de chercher Dieu encore plus que les autres qui sont dans l'église. Mais non seulement ça, vous savez que quand vous... Et puis vous regardez dans la Bible, regardez David. Quand il jouait, les démons quittaient le roi, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous, dans la louange, vous avez vu, moi, je suis très sensible aux choses de Dieu, très sensible. Et souvent, c'est dans la louange, en fait, que je suis, que Dieu me visite dans la louange, quand c'est profond. Dieu, non, je pleure, parce que je sais que pendant ce temps, Dieu est en train de me visiter. Alors, c'est tout simplement pour, en fait, vous dire, vraiment, faites de ça, c'est votre appel. Écoutez-moi bien. Peut-être Dieu ne vous a pas dit je t'appelle pour ça, mais il t'a donné ce don-là, ce n'est pas. C'est ça votre appel. Ou alors un des appels. Mais c'est ça. Donc pour ça, il faut qu'il y ait l'onction dessus. Et pour qu'il y ait l'onction, vous devez avoir l'intimité avec Dieu. Parlez avec Dieu régulièrement dans la prière, à la maison, quand vous faites des répétitions, vous faites vraiment à la maison. Et que Dieu vous développe. Que Dieu vraiment vous développe et qu'il vous apporte en fait de lui trouver des livres sur vous, de manière qu'il vous donne votre porte pour vous soutenir. Quand il y a des mariages qu'on te cherche, quand il y a des cultes qu'on te cherche et qu'on te paye, et qu'on te paye très bien, c'est un bon métier. Le photographe, c'est un très bon métier. So, et vous, je vais vous dire, si vous faites comme ça, regardez les choses bizarres. Comme je vous ai dit, les petits choses sont dans le fond. C'est-à-dire, il peut même lui vous ouvrir des portes.
Il peut vous ouvrir des portes. Vous savez ce que je veux dire? Amen. Ça peut être ici, ça peut être à l'étranger, ça peut être, qu'est-ce que j'en sais? Ça peut être dans une autre église, ça peut être dans un autre événement. Il peut vous recommander. Et en vous recommandant, vous faites, amis, on va vous connaître, on va vous connaître, on va vous connaître. Mais il faut ça, il faut qu'il y ait la qualité spirituelle. Pas seulement la qualité de talent, mais la qualité spirituelle, la qualité sérieuse. Je ne sais pas quand on vous dit, vous venez, vous allez commencer votre prestation, je ne sais pas à quelle heure. Vous devez être là, même une heure à l'avance, ou 30 minutes en avance. Et je vais vous dire, mes chers enfants, le travail que vous faites, vous ne voyez rien. Vous nous voyez, vous croyez, ah, ils sont déjà là, ils nous disent des choses, ils ne comprennent pas, nous comprenons. Nous comprenons, vous comprenez. Vous savez, je vais vous dire un témoignage. Nous sommes allés aux États-Unis. On est allés aux États-Unis. On est belge. Même si on est belge, eh ben, c'est la même chose américain. Chaque pays a ses. Donc on n'avait pas encore les papiers. Et les papiers, c'est compliqué de les avoir, hein, si vous voulez que je vous dise. Eh bien, vous n'allez pas imaginer. C'est parce que mon fils, un, il est batteur, l'autre, il est pianiste. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est leur ministère. C'est la batterie et le piano. C'est avec ça qu'on a fait au départ. On va être invités, ils vont être payés quelque chose. Et bon, on avait l'argent, hein. Mais même si on avait l'argent, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas manger votre capital pendant un an, deux ans, trois ans, parce que sinon vous vous retrouvez après. Et puis, voilà. C'est le talent-là qui a fait que les portes s'ouvrent, qui a fait que ça vous amène d'une porte, et puis à une autre porte, et puis à une autre porte. Au moins, je vous parle du bishop Pierre et Roland. Ils ont servi dans toutes les nations en Amérique. Ils ont servi, ils n'ont pas la mentalité des Africains parce qu'ils sont métis, ils sont blancs et ils ont grandi plus à l'européenne qu'à l'africaine. Mais bien aimé, Dieu leur a donné cette capacité de faire dans les différents. Ils ont été chez les Congolais, ils ont été chez les Rwandais, ils ont été chez les Bamilengues, ils ont été chez les Ougandais, chez les Nigériens, chez les Kenyans, chez les Blancs, les Noirs. Ils ont été partout, et tout c'est partout là, mais bien aimé, c'est la porte qui s'ouvre, vous comprenez. Et quand vous allez travailler comme ça, d'une manière ou d'une autre, vous voyez, les gens ne sont plus là, mais vous avez la grâce, vous êtes là, vous êtes ici, devant votre père, et que je suis en train de vous exhorter. Vous savez que ces exhortations peuvent complètement changer votre vie, complètement changer votre vie. Et nous, peut-être dans notre carrière, on a eu envie qu'on ait des gens qui nous donnent des exhortations. On n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Sauf je prie pour vous. Amen. Votre père est prière. Mais moi, je prie. Je prie pour vous. Pour que l'éternel Dieu que vous servez, l'éternel que vous puissiez le chercher, que vous puissiez le trouver véritablement. Je prie aussi pour les prophètes, les responsables de la louange, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Je prie, mes bien-aimés, que même le CD, que le CD sorte au nom de Amen, Jésus. Amen, et que Amen. Vous, mes bien-aimés, savez-vous que vous pouvez constituer un groupe extraordinaire, Amen. Et faire une équipe extraordinaire, et sortir quelque chose. Mais c'est si vous vous mettez ensemble et vous faites un travail formidable, même moi qui suis bien, qui sait si je ne peux pas dire, mais je vais envoyer un tout petit peu à ces jeunes pour que ces jeunes puissent pouvoir s'exprimer dans leur domaine, qu'ils arrivent à quelque chose. Et toi, mon frère photographe, ne m'excuse pas aussi pour ton appel. Amen. C'est pas si tu es chrétien. Amen. Il n'y a pas que pour faire des métiers sans pour autant. Il faut être sérieux et il faut être classe. Quand tu vas aller faire des prestations quelque part, tu vas être classe. Et vous, mes enfants, vous devez être classe. Vous me saisissez? Vous devez être classe. Vous devez être classe. Vous devez être amis, vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez être. Et que l'Éternel vous accompagne. Et qu'il ouvre les portes dans votre vie. Qu'il entende pour vos études. Que vos études vous réussissiez dans vos études. Les matières qui sont difficiles, là où les professeurs sont injustes. Je prie que cela puisse être enlevé au nom de Jésus. Que l'Éternel vous communique une nouvelle intelligence et une nouvelle capacité de faire les choses. Et que sa faveur vous accompagne pour réussir et pour percer dans votre vie. Vous allez devenir des grands hommes. Regardez-moi, ouvrez vos yeux. J'ai dit que vous allez devenir des grands hommes. Amen. J'ai dit que vous allez devenir. Et il faut le croire. Si vous ne le croyez pas, ça ne peut pas se faire. Vous me saisissez?
Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Moi, je sais que je vais encore grandir. Je sais que je vais encore m'amener très loin. Eh bien, vous devez le croire. Et Dieu va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ils ont besoin de ta prière. Tu as fait, non? Tu as fait, c'est bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous me donnerez des témoignages.